c'est l'initiation aujourd'hui, je viens pour la première fois, mais ça me fait plaisir, je suis contente, j'ai hâte de découvrir ce que c'est de faire du vélo. Tu regardes le peuplier et tu laisses aller le plus loin possible. Et après tu recommences à faire plus loin. D'accord ? Allez, une, deux, je vais aller trois si tu veux. Voilà, et tu laisses aller en regardant le peuplier, droit devant toi. Voilà, génial. Donc, si tu ne couches pas assez de l'eau, tu vas te faire plus. J'ai pas regardé ce que tu as vu. J'ai raté. Mais c'est pas grave, c'est normal. C'est bon, Moussa ? Tu nous fais une démo ? Il lâche, il pousse, il s'assoit, il pédale. On y va ? Lâche, on pousse, on s'assoit et on pédale. C'est pas grave. Vas-y, en deux temps, tu peux le faire aussi. Si, si, j'aime beaucoup. En plus, j'ai un garçon qui fait du vélo. Ça me faisait un peu la honte de le voir monter à vélo. Et bon, ça m'a... J'ai décidé depuis de prendre les cours. Nous, on a créé l'association il y a 8 ans maintenant. Et donc, voilà, c'est vraiment pour répondre à un besoin. Et on a eu déjà 900 élèves qui sont venus apprendre à faire du vélo. L'idée m'est venue en voyant l'évolution du vélo qui se faisait partout dans chaque ville, où je me suis dit, bah, avec le boulot, ça peut peut-être m'aider à aller au boulot. L'idée de l'arrêt homologué, c'est de s'arrêter sans tomber. La plupart des accidents à vélo, quand on est en apprentissage, on tombe à l'arrêt. On tombe pas forcément quand on roule, c'est quand on s'arrête, et bien là, boum. Mais au départ, je savais déjà pédaler, mais tout ce qui est départ homologué, freinage homologué, je ne savais pas. Donc, je pédalais comme ça. Mais avec Vélo École, j'ai vraiment acquis des bonnes bases. Donc, Voilà, les voitures, là, elles descendent très vite. Normalement, c'est limité à 30 km/h. Il y a très peu de véhicules qui respectent cette limitation de vitesse. Donc, on va faire très attention. Plus le code de la rue sera important et respecté par les municipalités, plus on aura de cyclistes. N'oublie pas, Chantal, reste à droite. Ici, les voitures sont en sens interdit, hein. Sauf pour les vélos, voilà. Hein? Allez, on y va, c'est reparti. Ce qui permet dans tous les centres-villes et la petite agglomération, d'avoir des circuits apaisés, de réduire la vitesse, des zones 30, des circulations à 30 km/h, des doubles sens cyclables dans les sens interdits voitures, pour permettre aux personnes qui souhaitent se déplacer avec un véhicule écologique et économique de pouvoir le faire. Je freine, Tessa, je vais trop vite. Je freine, je pédale la trajectoire. Je freine et je relâche. Regarde la trajectoire de ça. C'est quand même un sacré bonheur de s'apercevoir que ben, on a réussi à faire plaisir à cette personne. Elle va revenir, elle va continuer à progresser en vélo. Mais au moins, ben, grâce à nous, elle a réussi à apprendre à faire du vélo. C'est quand même très agréable. Mais ces vélos, il faut bien les réparer un jour. Donc où est-ce que vous allez pour le faire réparer si... Quand vraiment le vélo est vraiment très abîmé, les réparations ne peuvent pas se faire sur place. Dans ce cas-là, on a un partenariat avec des vélocistes, des réparateurs, et notamment la cycloficine, hein, des réseaux d'ateliers solidaires et sociaux avec de la récup. Donc on échange les pièces détachées, on redonne à la ferraille, on récupère, et ça fonctionne très bien. Je fais partie de la cycloficine, c'est un atelier de réparation de vélos participatifs et coopératifs. Et l'association a été créée en 2010. Et d'abord, on a fait beaucoup d'actions dans la rue, donc des ateliers de rue où on allait dans des quartiers avec la remorque, des outils pour réparer des vélos. On met à disposition les outils, les conseils, certaines pièces et on fait avec la personne. En fait, on accompagne, on explique et c'est comme ça qu'on apprend aux gens à réparer leur vélo. Mais en même temps, on peut aussi profiter de la récupération des pièces usées qu'on fait à la cycloficine, contrairement aux
magasin de vélo classique. Et pourquoi vous avez créé cette association? Dans quel but en fait? Alors nous, on est tous des cyclistes au quotidien, des gens qui l'ont créé. On est tous militants pour un monde où il y aura moins de voitures, moins de pollution, une ville plus apaisée. À Ivry, on connaît un succès foudroyant. On a 700 adhérents depuis l'ouverture de l'atelier fixe. Il y a 2 ans, les ateliers, c'est l'ambiance, c'est un lieu très sympa, convivial, où aller réparer son vélo avec des autres. C'est juste un peu de... Ouais. Ok. Voilà, c'est bon. On a une chaîne. Toute neuve. Il y a beaucoup d'objets de la vie quotidienne qui ont des batteries ou des piles dont il n'y a pas besoin. Donc par exemple les thermomètres, les souris, on a toute une liste d'objets comme ça en fait qu'on a prévu de remplacer. En fait on a pris une télécommande universelle du marché, on l'a un petit peu modifiée pour que ça fonctionne. Et donc là quand je secoue, comme vous pouvez voir, la lumière, il y a de la lumière, donc il y a de l'énergie qui est générée. Avec ça je peux, en ayant secoué 3 fois, je peux changer de chaîne de télé. En fait, non, tu ne secoues pas assez fort, un petit peu plus. Encore, voilà, c'est bon. Voilà, là tu l'allumes. Au début de la soirée, tu secoues genre pendant 10 secondes et ça te suffit pour toute la soirée. L'idée c'était d'abord d'avoir ce produit qui fonctionne vraiment pour pouvoir commencer à vraiment vendre une idée, enfin cette idée de développement durable qu'on peut avoir grâce à des objets qui consomment très peu d'énergie. Donc le fait qu'il n'y ait pas de batterie, ça augmente leur durée de vie, puisqu'une batterie, on peut la charger que 3000 fois. Ça veut dire que votre téléphone, par exemple, au bout de 3000 charges-décharges, il ne fonctionnera plus. Et pour une télécommande, c'est conçu aussi comme ça, mais c'est aberrant. D'un point de vue écologique, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on changerait de télécommande? Pourquoi est-ce qu'on changerait même de télé? Notre travail, c'est de prendre ces objets-là et de les rendre durables. Ça qui était des versions préliminaires du prototype. Donc là on avait essayé de le mettre sous la forme d'une pile, donc qu'on secouait. Ça fonctionnait suffisamment bien, mais ça ne fonctionnait pas dans tous les objets. Du coup, c'est pour ça qu'on est remonté directement sur les objets. Au bout d'1 an de travail, on est arrivé à quelque chose qui est plus réaliste, c'est celle-là. Sachant que là, comme on l'a, encore une fois, on va l'aplatir, hein, clairement, hein, ce sera pas comme ça, quoi, comme une télécommande normale. Les pièces que vous rajoutez, c'est vous qui les fabriquez toutes avec l'imprimante 3D? Oui, pour l'instant, oui. Alors voilà l'imprimante 3D. Donc l'idée, c'est d'abord de modéliser des pièces avec un logiciel de modélisation en 3 dimensions. Ensuite, on exporte ça dans le logiciel de l'imprimante. On retrouve la pièce, on fait les réglages pour l'imprimante. Ensuite, on envoie tout ça dans l'imprimante. Donc on voit en fait que la tête se déplace. Et donc petit à petit, ça imprime et donc ça crache du plastique. Donc là, elle commence par imprimer le bas de la pièce. Et petit à petit, le plateau va descendre et elle va imprimer les parties plus hautes. Voilà, alors c'est la pièce qu'on vous a montrée tout à l'heure. C'est un support de bobine et il y a un aimant qui se déplace à l'intérieur de la bobine et c'est ça qui va générer du courant. Et on espère aussi que cette idée d'appliquer cette technologie aux objets, elle sera peut-être reprise par d'autres personnes pour vraiment être dans cette idée de durabilité et d'écologie. Il y a une minorité de gens qui existent, qui sont prêts à payer un petit peu plus cher leur objet, mais qui va pour un objet qui durera plus longtemps. Gödel a découvert un théorème logique qui montre en fait que dans certains cas, on ne peut pas décider ce qui va se passer dans un système logique comme les mathématiques. Thank you.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est en train de planter des plants dans un bac, des incroyables comestibles. Là, tu vois, on a des fleurs. On a essayé de mettre des choses assez diverses. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je sais qu'il y a des courges. Des yeux d'Inde. Et il y a des courges. J'ai retenu. Je suis toujours étonnée de ce que la capacité des gens à faire des trucs ensemble. Et en plus, c'est super beau. Et en plus, c'est super beau. On installe des bacs dans lesquels on va mettre des choses qui se mangent. Alors, ça peut être comme ici, des légumes de saison. Et l'idée, c'est que ces bacs sont à disposition de l'ensemble des citoyens de la communauté. Et c'est-à-dire que tout le monde peut à la fois mettre des choses dans ces bacs, à la fois venir récolter la production de ces bacs, en veillant à ce que les bacs restent dans un état de propreté acceptable. C'était marrant parce qu'au début, c'est construit avec des palettes en bois. Et quand on voit les têtes des palettes en bois, on se dit au début comment on va réussir à construire un bac. Chacun trouve sa place, chacun trouve une astuce pour pouvoir construire ce bac. Et ça fait un moment, c'est le début de l'histoire, quoi, et c'est sympa. Le terreau, on a été faire le tour de tous les fleuristes de notre ville qui ont bien voulu contribuer à l'aventure avec nous. On a aussi des maraîchers de nos AMAP qui nous ont aidés à avoir des plants bio. Mais ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de cultiver nos bacs dans l'esprit de la permaculture, c'est-à-dire qu'on va fournir au terreau en amont, au niveau de la base, un certain nombre de matériaux organiques qui vont ensuite se décomposer. Donc c'est des branchages, c'est des déchets de jardin, des déchets verts que l'on récupère aussi à droite à gauche. Et vous n'utilisez pas d'engrais? Non, pas d'engrais. Le but, c'est d'avoir vraiment des productions essentiellement bio. Et l'idée, c'est que, en ville, on puisse aussi recréer de la biodiversité avec des productions locales qui permettent aux gens de connaître ce qu'ils mangent, de savoir d'où ça vient, et puis aussi d'apprendre à faire eux-mêmes leur propre nourriture. Donc l'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui a vraiment du sens. Et les radis, il faut les enfoncer plus que les autres, ou il y a une manière de les mettre? Non, pas plus. Tu les dédoubles, tu vois, là, t'en as des paquets. Ouais. Donc tu les dédoubles. Au départ, tu les sèmes à la volée, ouais. Et après, tu enfonces avec ta racine droite. Et là, de savoir que, par exemple, pour planter un radis, faut utiliser son toit comme un tuteur, toucher la terre, la préparer, en prendre soin. Un arbre d'agriculteur, je ne sais pas, mais envie de toucher la terre. Oui. Ça peut paraître dérisoire de mettre un bac qui fait 80 cm au carré dans une ville, mais si on en met dans chaque quartier, si on en met devant chacune des maisons, l'idée, c'est vraiment de créer de l'abondance et de la partager avec les gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un jardin. Même une petite action comme celle-ci peut vraiment avoir de très très belles, un très très beau, très bel impact sur notre environnement. Voilà, là je viens de cueillir une petite fraise. Elle a un petit peu de terre parce qu'on a manipulé les plants à l'instant. Alors c'est une petite fraise qui a l'air de rien mais qui est très bonne, ça s'appelle la fraise des quatre saisons. Voilà. Arrêt du labour et vive le semis sous couvert. On se passera de Monsanto, Bayer et compagnie. Ces rois de la pétrochimie qu'il faudrait mettre au pilori. On se passera de Monsanto, Bayer et compagnie. Ces rois de la pétrochimie qu'il faudrait foutre au pilori. Merci. Aller voir la machine. Justement, Jean-Baptiste, le fab manager de EcoDesign Fab Lab, est en train de l'opérer avec un groupe de travail. Alors un Fab Lab, c'est tout d'abord un lieu qui est équipé de machines, qui est ouvert à tous, avec une communauté et une ou plusieurs personnes qui permettent de gérer un petit peu cette communauté. Nous, on a la particularité d'être équipé de machines traditionnelles et numériques.
C'est un projet qui est très enrichissant parce qu'il est pionnier. En fait. C'est-à-dire qu'on va être à peu près les premiers à avoir mis un Fab Lab sur une zone industrielle. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait un atelier de plaquage de bois. Ben, on a récupéré ces chutes. Sur la zone industrielle sur laquelle est situé le Fab Lab, il y avait un potentiel, un gisement de déchets assez conséquent. On capte une partie de ces déchets et on les met à disposition des adhérents de l'association pour qu'ils puissent fabriquer des chaises, des tables, des objets, des fraiseuses numériques avec ces machines et ces déchets. Tout le monde peut venir, que les gens soient débutants ou professionnels, on accueille absolument tout le monde. Et également des instituts de formation, des écoles, des universités. Ce qui est plutôt un autre niveau d'études parce que souvent on s'arrête, on fait des recherches, on crée l'objet, on l'a dans la tête, on le dessine et tout, mais c'est rare en fait qu'on le produise en tant que tel, qu'on l'ait en trois dimensions pour nous. Tout ce que vous avez devant vous là, on les a réalisés. On les a produits aujourd'hui. Voilà. Mais on les a réalisés il y a une semaine à peu près. Quand on est arrivé en stage en fait. En reprenant toujours le principe de la découpeuse laser, on a fait quelque chose, on a fait des jouets en bois en fait. Moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on explore un nouveau modèle économique. Moi j'ai travaillé dans l'entreprise pendant presque 20 ans et là c'est tout est à créer, tout est à inventer. Il faut trouver les revenus, comment on s'équilibre, comment on s'autofinance et en même temps on privilégie le partage. De partage de savoir-faire, de partage de connaissances, de modèle économique partagé, de partage de moyens, on appelle ça la mutualisation des moyens de conception et de production. On a insufflé une dynamique, une voix, et ce qui va se passer derrière, après je dirais que c'est quelque part, c'est quand même une communauté. Moi, j'ai pas dit ce que j'aimais bien, c'était la communauté. La communauté, c'est celle qui fera faire vivre le projet. Ce qui est très intéressant, c'est de voir des personnes qui arrivent et qui disent « Bonjour, j'ai jamais touché un tournevis », et puis qui, au bout de quelques semaines... L'association, elles aussi, elle a mené différentes actions. Et puis en 2011, on a vu dans le quartier qu'il y avait de plus en plus de gens en grande difficulté, y compris pour se nourrir. Venir ici, c'est pouvoir acheter des légumes qu'on n'avait absolument plus les moyens d'acheter dans le commerce. Ici, vous prenez votre panier, voilà, voilà. On va faire un petit tour. Donc, vous regardez comme si vous êtes dans un magasin. On vous met ici le prix. Par exemple, du fromage, il est à 1,50€. Vous le payez 15 centimes. On essaye de vous mettre le prix à peu près réel de l'extérieur parce que vous, quand vous allez faire vos courses ici, ce n'est pas pour toute la vie. En bout de course, ils payent comme au magasin. Mais ils payent 10% du coût réel. Nous achetons à différents commerçants, dont le potager de Marianne qui a livré les fruits et légumes ce matin. Il y a les produits que nous récupérons auprès de commerces partenaires. Je charge ma petite camionnette. Et je vais chercher la nourriture à Carrefour. Après, je la ramène ici et je l'ai mis en rayon.
deux collègues parfois qui m'aident, mais sinon c'est moi, c'est mon rôle parce que je suis gestionnaire de stock. Et là en fait je suis en train de mettre la viande au frais. Je regarde les dates, parce qu'en fait demain c'est la vente. Et je regarde les dates, au maximum il faut que c'est la date de demain en fait. On bénéficie effectivement d'un certain nombre de subventions, notamment du Conseil Général du Val-de-Marne, ici présent. Et pour nous, les épiceries sociales, c'est un outil de développement durable au sens large, aussi bien sur l'insertion au sens large des personnes, et puis c'est aussi un formidable outil de lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est ça qu'on essaie de faire à chaque fois. Dire, voilà, aujourd'hui, on a des aubergines. Eh bien, moi, à la maison, les aubergines, je les cuisine comme ça, et chez toi, tu fais comment? Et si on partage ça, après, le jeudi d'après, la personne peut revenir en disant, tu sais, j'ai fait ça. Alors, moi, j'ai rajouté ça. Et les enfants, ils ont adoré. Voilà. Et ça, pour nous, c'est très important. E3D, c'est un label qui vient d'être créé. C'est un label de l'éducation nationale. Ça veut dire les écoles en démarche de développement durable. L'éducation nationale a décidé de nous octroyer ce label E3D. Donc on est l'une des rares maternelles du Val-de-Marne à avoir ce label E3D. Où est-ce qu'on va chercher l'eau? Vous allez vous les prêter les arrosants. Chaque année, on ajoute une petite action qui a un rapport avec le développement durable. On a commencé avec le potager pour que les enfants puissent apprendre comment pousse un végétal, l'importance des plantes, la biodiversité. Avant, il n'y avait pas de petits bacs comme ça. Là, vous voyez, c'est des petits carrés et c'est beaucoup plus facile pour les enfants de planter dans des petits carrés. Qu'est-ce que vous cultivez, par exemple ? Des carottes, des radis, des salades. Des pommes de terre. Et des fraises. Les fraises, c'est la récompense quand on a bien travaillé dans le potager. Vous voulez aller chercher des fraises? Oui. Il faut les cueillir quand elles sont comment, les fraises? Oui. Bon. Alors, vous avez trouvé des fraises? Bien sûr. Il faut oui, les on laver. Les mange. Bah, on les a arrosées déjà. Comme nous, on ne met pas de produits dans notre blé, si jamais il a des petites bêtes, des petits pucerons, on est obligé de laisser les coccinelles les manger. Alors là, est-ce qu'il est prêt à faire de la farine? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas jaune. Il n'est pas mûr, il n'est pas tout jaune, il est encore vert. Là, il est presque. Isis, il y a quelques fleurs. Est-ce qu'il y en a partout, comme dans notre potager? Non. On a installé un centre de tri où les familles, autant que les enfants, on va dire, sont impliquées. Ils rapportent leurs pomme-potes du goûter, leurs gourdes de pomme-potes, ils rapportent des bouchons de bouteilles, ils rapportent des piles usagées, des dosettes de café, des stylos qui ne fonctionnent plus. Et tout ça, c'est trié par les enfants. Et ensuite, on les envoie dans une société, TerraCycle, qui recycle ces objets-là et qui envoie de l'argent à l'école pour le travail fait de recyclage. Pourquoi est-ce que vous amenez des bouchons à l'école? Pour recycler. À quoi ça sert tous ces bacs? À recycler. À recycler? À recycler quoi? Les affaires. On trouve ça très bien. Ouais.
Les enfants sont sensibilisés à ça. À la maison, ils nous font des remarques, trier les bouchons, on garde ça pour l'école. Puis on est admiratif du travail de l'équipe qui est extraordinaire. Mais avec les bouchons en plastique, on fabrique des objets en plastique. Des petites voitures en plastique. Des petites voitures en plastique. Ou des bouchons en plastique. Ou des chiens. En fait, les enfants, dès qu'ils commencent à voir le geste, c'est bizarre, ils prennent le réflexe tout de suite et c'est systématique. Ils vous voient déboucher une bouteille ou vous enlever les piles d'un appareil, c'est tout de suite. Ils vous rappellent à l'heure tout de suite. Et on ne se rendait pas compte du nombre de sacs, de bouchons qu'on a ramenés sur le nez. Voilà. Jusqu'ici, j'avais le temps de se dire, bon, c'est pas ça qui va changer grand chose, ils vont récolter 2-3. En fin de compte, non, ça fait pas mal de sacs sur l'année. L'important, c'était surtout de dire que nous, en maternelle, même si nos élèves sont petits, l'intérêt, c'est de faire quelque chose. Et la plus petite action vaut mieux que la plus grande intention. En maternelle, c'est le début des apprentissages. L'intérêt, c'est que ça continue en élémentaire, que ça continue au collège, donc petit à petit, ça se fait. Et après, former des éco-citoyens, ça commence tout petit. Pour pouvoir avoir des adultes responsables de leur environnement. Quoi, tu prends le carré?